La collaboration donc, avec la métropole de Montpellier, qui est la première convention avec une métropole en France et dans le monde aussi, c'est un petit peu pour deux choses importantes. Première chose, c'est au service du développement de la métropole, que ce soit en termes d'urbanisme, de construction de la ville, d'imagination sur la ville, donc donner à la ville et à la métropole de Montpellier les capacités de disposer des images satellites régulières. On a des images historiques, mais aussi, j'allais dire, actuelles, modernes, sur lesquelles on peut bâtir une zone d'activité, des logements, des bassins de retenue d'eau, etc. Donc ça, c'est le premier point, urbanisme, développement. Deuxième point, c'est mettre à disposition des données spatiales pour les entreprises de la métropole Montpellier-Rennes, pour qu'elles puissent se développer, pas seulement liées aux applications d'images, mais aussi liées à toutes les applications spatiales qu'on puisse avoir. Pour nous, c'est une reconnaissance de tout le travail accompli déjà depuis ces temps dans le cadre de la cité intelligente. Et ça va au-delà de la cité intelligente. C'est-à-dire toutes ces données open data qu'on a gardées, conservées et stockées, qui sont mises dans la disposition des entreprises d'une manière anonymisée, le fait de travailler justement avec InSpace entre autres, ça va nous permettre de collecter d'autres données plus importantes, plus riches. On va vraiment tourner dans le système mondial avec cela. Et cela va enrichir notre système économique, va enrichir également le niveau citoyen et va enrichir le domaine environnemental. Montpellier, c'est une histoire importante avec nous. Et puis Montpellier, c'est la recherche, comme a dit Monsieur le Président. C'est la recherche innovation, c'est la recherche depuis Ambroise Paré, c'est IBM, c'est un savoir-faire sur la ville intelligente. Et donc, j'allais dire, on s'est rencontrés, puis on ne sait plus, donc voilà, on se marie. C'est la première fois qu'on signe quand même quelque chose avec le spatial. Vous savez que ce n'est pas une des industries de la métropole de Montpellier, c'est une des industries caractéristiques de la métropole de Toulouse. Mais déjà depuis 2016, nous travaillons avec les métropoles de Toulouse dans le cadre de la collaboration de données Open Data. Et ceci prouve l'intérêt de InSpace et d'Aerospace Valley sur le territoire de la métropole où se trouve justement la matière grise, où se trouve la seule université d'excellence de la grande région. Et ceci est important, ça va valoriser non seulement nos chercheurs sur le pôle Agropolis, au niveau du CNES, c'est très important pour la valorisation de nos universités, de nos start-up et nos entreprises.